La guerre contre le Portugal suit son cours. L'Empire est prêt à porter un coup fatal à son ennemi. Mais avant ça, il faut que je vous parle de quelque chose de très, très, très important. Alors en fait, ça concerne les forges. Les forges impériales qui créent des armures et améliorent dans un premier temps la défense des soldats sont un bâtiment qui est essentiel pour l'avenir de la campagne impériale. Alors pourquoi ? Je vais vous parler de ça. Dans un premier temps, cette forge-là qu'on vient de voir, elle permet seulement d'améliorer l'armure des soldats, d'améliorer leur défense. En revanche, le grand atelier de batteur d'armure, moyennant 15 000 florins, ce qui est tout bonnement gigantesque, lui, il permet de recruter beaucoup, beaucoup de soldats, et notamment des mercenaires français, allemands, anglais, suisses, les Dismounted Retributeurs, les Gothic Knights et d'autres mercenaires venant de différentes peuplades d'Europe viennent dans les forges de l'Empire pour s'équiper des meilleures armes et armures que le monde produit. Et du coup, c'est notamment ça que j'ai réencodé dans le jeu, où je voulais que la puissance et la richesse des empires impliquent une véritable différence au niveau de son rayonnement sur le monde. Par là, ce que j'ai voulu faire, c'est que dès qu'un empire devient assez puissant, assez prospère et assez riche, il attire les différents peuples du monde qui prennent cause et fait pour lui, pour le défendre et pour s'engager au sein de ses armées. Alors évidemment, il y a quand même des désavantages à avoir des mercenaires. Et de un, ils sont pas très loyaux et ils peuvent trahir l'Empire plus facilement qu'une armée conventionnelle. Et en plus de ça, ils sont extrêmement chers. Leur recrutement coûte zéro parce que c'est eux-mêmes qui payent leurs armures. Mais ensuite, l'entretien des troupes est extrêmement cher. Ça coûte 600 florins par tour juste pour un bataillon de mercenaires. Parce qu'en effet, le mercenaire, ce qu'il aime, c'est l'argent. Avant tout. Avant toute chose, plus que l'Empire, quoi. Ça qui est un peu dommage. Donc, en définitive, une armée de mercenaires peut être levée extrêmement rapidement pour une menace imminente, mais l'armée doit être dissoute rapidement aussi, sinon elle coûte beaucoup trop cher à l'État qui veut l'entretenir. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur le système des mercenaires et des forges. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va creuser un véritable fossé entre les royaumes puissants et les empires à vocation planétaire, hein, ce que j'ai envie de dire. Bon, qu'est-ce qui se passe d'autre dans l'Empire ? Cette entrevue ne nous a rien apporté. Ouais, c'est quoi cette armée ? Elle sort d'où, là ? Mid ! Hiver 1151, bon, ça s'en fout. Guild, forgeur d'épée. Bon, ça va très bien, ça, on accepte. Guimarès, oulala, oui, l'émeute, elle fait carnage, quoi. 4500 morts pour réprimer 54 soldats. Ah ouais, c'est terrible. La France déclare la guerre à l'Angleterre. Je vais rester du côté de la France pour l'instant. Là, je peux pas me permettre d'avoir une guerre contre la France actuellement. J'ai pas du tout assez d'armée. Donc désolé. Désolé les Anglais, mais pour l'instant, j'ai un peu peur de la France. Donc on va faire profil bas. Ensuite, bon, très bien. Rapport sur les relations mauvaises avec la Pologne. Exécrable avec les Portugais. Super. Guerre déclarée. Rapport de construction. Ok. Faction la plus riche, la Chine. Faction détruite, les Aztèques. Ouais, écoute, ça nous fait une belle jambe. Ok, allez. Et ma ville de Guimarès est assiégée par une armée. Oh. Eh ouais, j'ai fait une erreur. J'ai fait une grossière erreur dans cette bataille. Dans cette guerre. Je n'ai pas envoyé d'espions. Peut-être qu'il y avait. Voilà, cette armée était cachée ici. C'est assez dramatique. Je risque de perdre la ville. Il faut vite envoyer du renfort. Alors pour vite envoyer du renfort, ce qu'on peut faire, c'est, on a une armée qui est en train de se créer ici. Alors ici, ouais, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, vous, vous rejoignez cette armée. Toujours pareil, hein, la péninsule ibérique, c'est le fatra. Alors ce que je vais faire, c'est, ici ils font quoi là? C'est une grosse armée? Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le château, je vais forcer l'attaque, et je vais foncer sur Lisbonne, qui est un château aussi. Dans lequel je pourrais recruter des unités bien plus puissantes qu'à Guimarès. Donc on va forcer l'attaque ici. What the fuck? Ah non, il y a l'autre armée qui est là. Merde. Elle est perdue cette armée.
Bon, je vais assiéger. Du coup, je vais assiéger. Je peux pas affronter Stormer. Des catapultes. Et là, elle est trop puissante. Vraiment, elle est vraiment trop puissante. Faut que j'attende les renforts. Et est-ce que je peux pas... Ouais, mais les renforts d'ici sont loin. Il y a cette armée aussi qui est en construction, mais... Il y a celle-là, c'est celle de l'Empereur qui veille sur la frontière Est de l'Empire. Et ici... Ici, bah écoutez, ici on va rapprocher cette armée. Hein. Alors ici, tac. Oh, mais elle est prête. Rassemblement des forces en cours, monseigneur. Au niveau du pape... je peux peut-être organiser une croisade. Ouais, je suis allé voir le pape. C'est qui? Des états pontificaux. Donc, le bon pape Abbat, on va te demander de lancer une croisade, puisque j'ai les faveurs du pape. On va lancer une croisade contre Jérusalem, je pense. Hein. Oh, est-ce qu'il y a d'autres? Ouais, Jérusalem. Jérusalem, comme ça, ça va détourner un peu les armées européennes du grand champ de bataille qu'est l'Europe actuellement. Enfin, notamment la péninsule ibérique. Donc, allez. On lance la croisade, mon frère. On a vu. Alors, appel à la croisade, Jérusalem, très bien. Ça, on a vu. Voilà, ça sera toujours pareil, donc très bien. Merci, allez, Jérusalem, ça appartient aux Égyptiens. Tout le monde en guerre contre les Égyptiens. Et laissez-moi les mains libres en Europe. Oh, une innovation technologique très très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le mot se répand à travers l'Europe sur un nouveau support. L'écriture sur papier pressé. Ce qui a été un luxe coûteux importé du Moyen-Orient et d'au-delà arrive maintenant en Europe occidentale. Une petite usine consacrée au pressage de papier en feuilles a été créée à Khatiba, au sud de Valence. Bien que la Reconquista en cours suggère que l'islam n'est pas le bienvenu dans la péninsule ibérique, il est évident que la culture et les innovations musulmanes sont définitivement implantées sur ce territoire. Et du coup, à partir de là, dans toute l'Europe. Donc ce qui est très intéressant avec ce genre de nouvelles, c'est que c'est des faits qui se sont réellement passés de façon historique à la date à laquelle ils apparaissent et ensuite peuvent influencer le cours de la partie, notamment avec des innovations technologiques, avec des découvertes de pays ou de continents par exemple. Donc le papier en Europe, c'est bien, mais on attend avec impatience la poudre à canon qui va changer la face du monde, c'est moi qui vous le dis. Alors, nouvelle mission, participer à la croisade. Non. La France déclare la guerre à l'Égypte. Eh, les Français, vous arrêtez de déclarer la guerre à tout le monde? Ouais, là, c'est pour la croisade, mais bon, quand même. Ok. Et Égypte, l'alliance réduite à néant. Les Khmers, relation équilibrée. Mais les Khmers, je m'en fous, en fait. Je m'en fous des Khmers. Ok. Information diplomatique. La France et la Pologne sont en guerre contre l'Égypte. Grand recrutement, on s'en fout. Oh, les maîtres batteurs d'armure à Stumpfen et Vienne. Très bien. Une noble vie prend fin à Bruges. Super. La France, la Pologne et les états pontificaux ont rejoint la croisade. Ah ouais, c'est une croisade, ils avaient envie de la faire. Hein. Alors ici, les Portugais, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils ont lâché le siège. Ils ont abandonné le siège de la ville. Bon, bah écoutez, c'est pas pour me déplaire. Ici, il y a une armée qui est assiégée dans un fortin. Elle va se rendre dans un tour où elle va combattre. En vrai, le mieux serait de l'écraser, je pense. L'écraser maintenant. Donc on va l'écraser maintenant, tout simplement. Voilà, j'ai rien de faire la bataille pour vous montrer ce que c'est les petits fortins comme ça. Donc on va la faire. On m'a dit que l'ennemi avait avec lui quelques catins. Nous pourrons nous divertir après le combat. Parfois il y a des petits discours comme ça. La plupart du temps, il n'y en a pas. Parce que c'est tout simplement buggé. Hein, à cause du mode. Mais écoutez, de temps en temps il peut y en avoir. Je vous les laisser. Voilà, d'ailleurs bon, on lance la bataille. On lance la bataille et on va attaquer. Alors voilà, le petit fortin, il ressemble à ça. Ils sont toutes très jolis. Hein. Ils sont toutes très jolis. Et ils sont d'une importance stratégique, ces forts. Qui sont vraiment pas. Qui est vraiment pas négligeable. Ça, je vous le montrerai après quand on retournera sur la carte de campagne. Si j'ai encore des thunes, je sais plus. Alors les archers, on va les approcher. Et on va faire feu. On va faire feu partout. Comme ça, on détruit les soldats qui protègent le fort. Bon. Voilà. Voilà, c'est ça que j'aime. Une pluie de flèches.
Très bien, ça va les calmer un peu. La porte va céder. Oh, il y a de l'huile bouillante. Il y a de l'huile bouillante. Non, pas ça, tout, mais pas ça. Alors, va pas falloir faire la même erreur que la dernière fois. Ils font quoi, eux? Ils font quoi, en fait? Il va falloir prendre les murs avant de faire rentrer l'armée, cette fois-ci, parce que je vais perdre trop d'hommes à cause de l'huile bouillante. Hein. Clairement, la porte va pas tarder à céder à 52%. Aïe, aïe, aïe. Non, le bélier est en train de prendre feu. Non. Mon bélier. On envoie la sauce, c'est bon. Voilà, les tours de siège, le nouveau bélier. Ça va craquer, hein. Je vous le dis, ça va craquer. Tout ça, on va attaquer de toutes parts. La porte va bientôt céder. Les Harmugavard qui sont ici, là. Ils sont fait ratatiner, là. Et ouais, mais bon aussi vous êtes embêtant. Alors c'est bien, les tours de siège font leur taf aussi. Voilà, c'est bon, on a repris la situation en main. Le bélier a ouvert une brèche. L'armée du Saint-Empire romain germanique va fondre sur ce château. Telle une horde de Huns fondant sur l'Empire romain. Feu, ancêtre de l'Empire germanique. Ok. Ils ont pris le fort. Enfin, les murs. Parce que tout le monde se casse en courant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les bloquer vite. Voilà, très bien. Vous les piquez tous, lui, là. Piquez. Piquez. Allez, piquez-le. Oh, lui, pouf, piquez. Pouf, piquez. Ouais, voilà. Ok, les archers. Les archers, il est temps de faire feu. Est-ce que vous arrivez à choper lui, là? Voilà, le général. Vous me le défoncez, le général. Je vois une pluie de flèches sur le général. Voilà, c'est ça qu'on veut. Très bien. Alors, eux, ils se font un peu éclater, quand même. Hein. Mais bon, c'est normal, je les ai envoyés en termes de commando d'élite dans le dos du général. Et c'est quand même dangereux de faire ça. Alors, vous, du coup, vous attaquez. Vous aussi, vous attaquez. Vous, vous attaquez. Non, vous, vous attaquez là. Et vous, vous attaquez là. En fait, vous et vous, faites une charge. Faites une charge, là. Allez, vous rentrez par là. Voilà, vous les faites fuir. Ah non, pas du tout. Allez, on les écrase sous le nombre. On les écrase sous le nombre. Bon, allez, on écrase tout le monde. Très bien. Alors vous, vous en êtes où? Nous, c'est compliqué. Hein. On va faire attaquer mon général aussi. Hein. Voilà. Et la cavalerie ici. Si ça suffit pas. Les archers, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de faire feu parce que ils font plus carnage qu'autre chose. Donc les archers, vous ressortez. Simplement. Allez, cassez-vous. Oh, le général, il est là. Face au dismounted retroudre. L'ennemi du Reich gît à nos pieds. Très bien tout ça. Très très bien. Bon, il reste deux gardes du corps. Allez, ça dégage. Et vous, vous attaquez dans le dos ici. Allez, c'est la charge finale là. Là, c'est la charge finale. Et fumez-le les. Ils sont là. Les deux, trois ici. Notre victoire en ce jour est sans aucune équivoque. Bah ça a été plutôt propre hein. 10% de mon armée contre 100% de la leur. 265 morts mais 0 survivants. Bon après il y aurait eu 0 survivants. Je sais pas si en assimilant j'aurais fait moins. Mais bon écoutez, c'était pour vous montrer ce que c'était les petits forts là. Alors, ce qu'on peut faire au niveau des forts, regardez les Novgorod ici. Alors c'est mon allié. Peut-être que ça marchera pas. Mais si on fait un fort, là il y a un pont. Des ponts parce que il y a un fleuve. Et si on fait un fort ici, je propose d'emballer voilà, nos on coupe toute entrée dans le territoire. Donc, contrôler des territoires où il y a des ponts, c'est hyper important. Comme ça, on peut mettre un fort devant et bloquer l'avancée des ennemis. Tout simplement. Donc, on va le faire ici aussi. Là, on va le mettre devant le pont parce que derrière, il y a déjà un port qui prend la place. Donc, ici, c'est bloqué aussi. Ici, ça pourrait être pas mal. Mais dans tous les cas, vous voyez qu'ils peuvent passer par là. Donc, c'est pas... super
important de faire un fort ici. On peut créer du coup des frontières à l'Empire qui sont vraiment très étanches. Et notamment en prenant le territoire russe, on peut voir qu'ici il y a un pont, ici aussi et ici aussi. Le seul endroit où les ennemis pourraient passer, ça serait de contourner ce fleuve par le nord, en passant par la Sibérie, ce qui leur prendrait des années. Donc contrôler un territoire grâce à ce fleuve serait opportun pour le Saint-Empire. Mais là, cette frontière est très éloignée, on n'en est pas du tout là, mais ça pourrait être un objectif central à l'avenir. Je dis ça, je dis rien. Bon, ok, j'ai à peu près tout géré. Il ne se passe rien de particulier, de plus dans l'Empire. On voit qu'ici, en France, l'armée qui assiégeait Caen, l'armée de Evrat de Reims, ben, va partir en croisade. Et c'est là qu'on voit que la croisade est vachement intéressante en termes d'utilisation politique et géopolitique pour limiter les conflits entre les pays européens. Ça a servi. Voilà. La France ne va pas gagner beaucoup plus d'influence incessamment sous peu grâce à cette croisade lancée par le pape Abbat. D'accord. Bon, 1153, nouvelle mission. Annexer une communauté, Caen. Ça appartient à la Grande-Bretagne. Enfin, à l'Angleterre. Non. Non, franchement, non. Je vais pas me lancer dans une nouvelle guerre, les gars. Je sais pas qui m'a proposé ça. C'est le Conseil des Nobles. C'est qui ces fous, là? Conseil des Nobles, bande de tarés, va. Ok, bon. Rien d'autre, ici. Ouais. Oh. Stettin. Ouais, on va faire une petite... Ouais. L'agent trouvé. Un agent hongrois a été découvert à Venise. Mais à quoi ils jouent, les Hongrois? Vous êtes déjà en guerre contre Novgorod, vous êtes en train de la perdre. Alors lâchez-moi. Faction la plus avancée, c'est moi. Ok, super. Financier, production, militaire. Militaire, c'est les Apaches. Population, c'est les Chinois. Et première puissance mondiale, c'est toujours les Chinois. Lisbonne n'est pas extrêmement défendue. Je peux faire un coup. Je peux faire un coup, mais le coup n'est pas sûr. Alors, on va construire à Lisbonne tout ce qu'il faut au niveau économique. Et je vais essayer de faire un coup. Prendre une catapulte. Prendre deux catapultes même. Voilà, très bien. Alors, on va refermer les soldats aussi. Fabriquer des engins de siège pour aller conquérir directement Lisbonne sans faire de siège. Avec des engins de siège, évidemment, on peut détruire les murs d'un château ou d'une ville. Donc l'intérêt, c'est de ne pas assiéger et de faire en sorte que cette armée du prince Fernando n'intervienne pas dans la bataille, ce qui pourra permettre une victoire beaucoup plus simple. Pour l'instant, rien n'est moins sûr. On ne sait pas quels sont les projets du prince portugais. Donc bon, on espère qu'il ne viendra pas à Lisbonne. S'il ne vient pas, le Portugal est une nation qui va disparaître en 1154. Prédiction d'empereur. Est-ce qu'on peut faire notre petit coup? Notre petit coup, oui, on peut le faire. Le prince est resté en position proche des frontières avec la France. Donc, ben, on va essayer directement de faire notre coup. Hein. Alors pour ça, on va paquer les armées pour laisser une petite place en plus. Voilà, trois places. J'ai mes catapultes qui sont là. Elles vont attaquer directement. On va faire rejoindre l'armée. On va attaquer Lisbonne. Et il n'y a personne dans la ville. Il n'y a personne dans la ville. Alors je vais pas la simuler. Je vais la simuler. Pourquoi? Parce que si je la simule, la bataille va être gagnée. Là je pense à 99,9%, elle va être gagnée. En revanche, si je la simule pas, vu que c'est un château, il se peut que les catapultes n'aient plus de projectiles avant même la fin de la bataille. Donc, s'il n'y a plus de projectiles, c'est fini. La bataille est perdue. Donc on la simule et le Portugal sera une histoire ancienne. J'ai gagné. Lisbonne a été prise. Rien ne résiste aux forces du Kaiser. Rien. On va pas couper des têtes. Et le Portugal rejoint la Castille dans les limbes de l'histoire. Écrasé par le Saint-Empire romain germanique, voyant son influence grandir en Europe, prenant en étau le géant français, qui est désormais l'enjeu principal de l'Empire,
Cet ogre devra être abattu pour que la paix et la prospérité éternelle demeurent en Europe sous l'hégémonie du Saint-Empire romain germanique. Et ben ça, on le verra dans une autre vidéo. Allez, tchuss tout le monde !